Shalom Marika. Que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Blandine. Soyez bénis. You are worthy.
Nous rendons grâce à Dieu qui nous accorde encore l'opportunité de pouvoir partager sa parole ce soir. Nous allons élever nos voix, nous allons bénir le Seigneur de gloire, celui qui nous donne la vie. Élevons nos voix, bienvenue dans le Seigneur. Bonsoir, pasteur Louis Baboulé. Que Dieu bénisse mon pasteur. Bonsoir, maman. Maman Betty, le Conga, que Dieu bénisse. Bien-aimés, nous allons élever nos voix pour dire merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde de pouvoir prier encore ce soir. Élevons nos voix, rendons grâce au Seigneur. Nous élevons nos voix vers toi, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Et nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous accordes encore ce soir de pouvoir nous tenir dans ta présence. Merci de venir chaque détail, chaque aspect de nos vies. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci d'étendre ta main dans nos vies. Au nom de Jésus, bénis et sanctifie ta parole ce soir parmi nous. Sanctifie, tendre Père, son moment de prière. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, ce soir, nous voulons bien prier pour briser les attaques à travers les esprits de rêve et les esprits de mort. Briser les attaques, bien aimé, à travers les esprits de mort. Dans le rêve, parfois même dans le rêve. Briser les attaques à travers les esprits de mort dans le rêve. Vous savez, bien-aimé, Satan, c'est un rusé. Satan, bien-aimé, dans le sens, c'est un rusé. Il pousse les hommes, bien-aimés, à travailler avec le monde des esprits. Nous savons, bien-aimé, dans le sens, nous vivons dans ce monde ici. Nous savons qu'il y a des saints anges, il y a aussi des mauvais esprits. Des bons esprits, si je peux m'exprimer ainsi, des bons esprits et des mauvais esprits. Satan, bien-aimé dans le Seigneur, a poussé un tiers de bons anges à se rébeller. Ce sont, bien-aimé, ces anges qui sont devenus des mauvais esprits. Pour s'être rébellés avec le diable, sous l'instigation de Satan, ben, on les a précipités du ciel, ils sont descendus sur la terre. Et ils exercent leurs activités, bien-aimé dans le Seigneur, au niveau ici, bien-aimé dans le Seigneur, dans la sphère de la terre. Et bien sûr, dans le lieu céleste, donc entre ciel et terre. Ils évoluent dans cette sphère-là, bien-aimé. C'est pourquoi on parle, bien-aimé, les esprits méchants dans le lieu céleste. Les esprits méchants. Dans Éphésiens 6, le verset 12 nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Nous n'avons pas à lutter. Là, bien aimé dans le Seigneur, c'est... Nous voyons, bien aimé, que Dieu nous prévient que nous avons affaire à un monde assez organisé. J'insiste encore, nous avons affaire à un monde assez organisé, le monde des esprits. C'est un monde organisé, c'est un monde bien hiérarchisé, bien organisé. Ils savent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'on leur demande de faire. Et nous, bien-aimés dans le Seigneur, en tant que chrétiens, nous devons prendre conscience de cette réalité-là. Parce que l'ennemi a un objectif, bien-aimés. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, lorsqu'on lisait, bien-aimés dans le Seigneur, le verset 12,
Nous réalisons clairement, bien-aimés, nous sommes engagés, bien-aimés, dans le Seigneur, dans une vie de combat spirituel. Et cela avait déjà été prédite dans Genèse 5, où la Bible dit que Dieu dira à Satan, au serpent, que, et où Dieu dira, bien-aimés, qu'il y aura inimitié. Inimitié, dit clairement, qu'il y aura inimitié. Donc, Genèse 3, le verset, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit clairement, il y aura inimitié entre ta postérité et sa postérité. Il y aura inimitié. Donc, par là, bien-aimé dans le Seigneur, nous réalisons que nous étions déjà engagés dans un combat. Engagé, mais clairement, le combat est clair. Donc, nous y sommes pleinement engagés. Genèse 3, le verset 17, il dit clairement, puisque tu as, Genèse 3, le verset 15, il dit, puisque tu as, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera le talon. Bien-aimé, là, nous voyons bien-aimé que nous sommes engagés. La postérité de la femme est déjà engagée dans les combats. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est vrai, Jésus a été blessé, bien-aimé dans le Seigneur. À la croix de Golgotha, il est mort, bien-aimé dans le Seigneur, mais il a vaincu la mort. Et c'est là, bien-aimé, nous réalisons que le monde des esprits, c'est un monde, bien-aimé, qui est tout simplement un monde de Satan, le diable. C'est son monde à lui. Un monde de séduction, un monde de mensonges. Où dès le départ, bien-aimé, il dira à Adam et Ève, vous n'allez pas mourir. C'est pourquoi les esprits se manifestent en montrant aux hommes, bien-aimé, dans le ciel, qu'ils ne meurent pas, les hommes sont encore au milieu de nous. Souvenez-vous, bien-aimé, il y a des gens qui croient que les morts ne sont pas morts, ils protègent les vivants. Mais un mort ne peut pas protéger les vivants, bien-aimé, dans le Seigneur. Les morts ne peuvent pas, comment? Quelqu'un qui ne t'a pas protégé pendant qu'il était en vie. Lorsque tu sortais, la personne était angoissée pour savoir tu es où, tu es où. Le temps de téléphone, il s'est appelé, tu es où, tu es à quel niveau. Mais la personne meurt, comment ça t'est protégé? Mais ça vient d'où? La personne avait peur quand tu n'étais pas là. La personne cherchait à savoir tu étais à quel niveau pour éviter que les dangers ne t'arrivent là où tu es. Mais la personne meurt directement. La personne commence à te surveiller par toi, à te protéger. Il y a autre chose, bien-aimé dans le Seigneur. Vivant, il ne t'a pas protégé. Mais mort, il te protège. Mais nous savons, mais Jésus vivant, bien-aimé dans le Seigneur, il était là, il protégeait, omniscient, omnipotent, omniprésent. Et même mort, il n'est plus mort, bien-aimé, il n'est plus dans les tombeaux, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc l'idée, bien-aimé dans le Seigneur, que les gens ne meurent pas, c'est Dieu le diable. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Vous voyez, n'est-ce pas? Dieu a dit, il y aura la mort. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Voilà, bien-aimé dans le ciel. C'est là que vient la supercherie. C'est là que vient le mensonge du diable. C'est là que vient la séduction du diable. Et les gens croient que quand les gens meurent, ils peuvent encore être vivants au milieu de nous. C'est là que vient le monde du spiritisme, le monde des cimetières. Les gens vont dans les cimetières sous les tombes, comme étant bien-aimé des sanctuaires, comme étant bien-aimé dans le ciel, des hôtels, pour aller invoquer les esprits d'outre-tombe. Mais ces gens-là sont déjà morts. Bien-aimé, la Bible, d'ailleurs, à ce niveau-là, la Bible est claire, indiscutable, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, regardez, bien-aimé, ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, les morts sont morts. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux de salaire, puisque leur mémoire est oubliée.
et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Et le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours des morts où tu vas. Mais comment cette personne-là va commencer à te protéger? Il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les... Comment cette personne viendra te communiquer la sagesse pour écrire des choses? Oh non, il y a quelqu'un qui était déjà l'esprit de tel et là pour l'aider à pouvoir lui donner des pensées pour communiquer. Même les anges ne nous donnent pas des pensées. C'est Dieu par son esprit, Saint-Bernard, qui nous communique sa pensée. Et aussi, Satan aussi communique ses pensées à travers les esprits, les démons. Des pensées démoniaques. Nous avons la pensée de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Ou soit c'est l'esprit de Satan. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est là les mensonges, bien-aimé dans le Seigneur. Que les hommes ne meurent pas, ils peuvent encore continuer à communiquer avec les vivants. Oh, les ancêtres sont encore là. Ils protègent les gens. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est la supercherie du diable. C'est la séduction du diable. C'est le mensonge. Il est menteur dès les commencements. Il est le père des mensonges. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça, bien-aimé, le but des esprits méchants. C'est s'élever contre les enfants de Dieu. S'élever contre la pensée de Dieu. S'élever, bien-aimé, contre la volonté de Dieu. Combattre, bien-aimé, tout ce que Dieu a mis en place. Combattre les hommes, bien-aimé. Les mauvais esprits, c'est ça le but des mauvais esprits. Rappelez-vous dans Apocalypse 12, le verset 7 à 9, il est dit clairement, bien-aimé, dans le Seigneur, que malheur à vous ciel, malheur à vous terre et mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. On dit bien le verset 9, Apocalypse, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ses anges furent précipités avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ses anges furent précipités avec lui. Et on dit clairement, bien-aimé dans le Seigneur, le verset 10, et j'entendis dans le ciel une voix qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est le verset 11. Et le verset 12 nous dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur, la supercherie satanique, diabolique, les mensonges du diable, où le diable manipule les humains en leur montrant, bien aimé dans le Seigneur, qu'ils sont en contact avec ceux qui sont vus, ceux qui étaient vivants et qui sont morts, ils sont en communication avec eux, mais pourtant, bien aimé, ce sont les démons. C'est des démons. C'est ça l'activité de Satan sur terre. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur, l'activité, bien aimé dans le Seigneur, du diable. Il dit, bien aimé dans le Seigneur, que Satan est descendu vers vous, sachant qu'il a peu de temps. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, sachant qu'il a peu de temps. Quel est le but de ça, bien aimé dans le Seigneur? Détruire, nuire à la vie des hommes. Rendre les hommes mal à l'aise. Parce que, bien aimé, Satan s'oppose à tout ce que Dieu a mis en place. L'ordre que Dieu a établi, bien aimé, Satan s'oppose à l'ordre établi par Dieu. Satan s'oppose. Tout ce que Dieu a mis en place, bien aimé, dans le Seigneur, Satan s'oppose à tout ce que Dieu a mis en place. Bien aimé, c'est pourquoi on l'appelle, bien aimé, adversaire. Adversaire, bien aimé, dans le Seigneur. Satan, c'est l'adversaire de tout ce que Dieu a mis en place, de tout ce que Dieu a institué. Et là, je vous assure, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention avec les mondes,
des esprits. C'est pourquoi, bien aimé, la plupart des gens, bien aimé, qui vont dans le cimetière, bien aimé, ils vont travailler avec ces esprits-là pour attaquer les enfants de Dieu. Alléluia. Ils vont venir dans le cimetière pour invoquer ces esprits. Que ces esprits travaillent pour eux dans le commerce. Que ces esprits, bien aimé, travaillent pour eux, bien aimé, dans le Seigneur, dans, pour, dans certaines situations, bien aimé, dans le Seigneur. Le grand dragon fut précipité. Les serpents ont appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Les mauvais esprits, les démons. Mais c'est pourquoi réjouissez-vous le verset 12. Ciel, vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Descendu vers vous, bien-aimé. Il est descendu avec ses anges, avec ses acolytes, pour semer la mort. Vous voyez, bien dans le Seigneur. Semer la mort. Donc, tout ce que nous apprenons avec comme des gens qui pratiquent l'espiritisme, les gens qui pratiquent la divination, les gens qui pratiquent la magie, les gens qui vont aller consulter, bien dans le Seigneur, les marabouts et autres, bien dans le Seigneur, ils sont en communion avec des mauvais esprits. Ils sont en communion avec les démons. Et voilà, bien-aimé, parfois, ces gens-là, nous sommes bien dans le Seigneur en proie aux attaques sataniques, démoniaques, dans le rêve. Parfois, on voit dans le rêve, on voit les gens qui sont déjà morts. Les bien-aimés de ces esprits sont venus nous souiller, de venir s'aimer, bien-aimés dans le Seigneur, la mort au milieu de nous. Nous souiller, s'aimer la mort. Pas tout le temps, bien sûr, mais généralement, bien-aimés dans le Seigneur, il faut voir toujours la nature des gens qui sont déjà morts lorsqu'ils apparaissent dans vos rêves, tout le temps. Il faut faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Ça devient comme un monde normal pour toi. Au lieu de rêver, bien-aimé, ceux qui sont vivants avec qui tu vis, mais toi, tu rêves ceux qui sont morts. Mais pourtant, la Bible dit clairement, bien-aimé, il n'y a rien entre nous et eux. Soit c'est Dieu, bien-aimé, qui peut permettre qu'il vienne te communiquer un message, mais il faut voir la nature de ces gens. Rappelez-vous, bien-aimé, dans le Seigneur, à la montagne ou sur la montagne de transfiguration, Élie et Moïse, ils sont apparus. Ils avaient un message. Ils sont venus pour dire au Seigneur, oh, tu vas connaître quelque chose de terrible. Tu vas mourir. Toi, tu vas connaître la mort que nous n'avons pas connue. Élie, bien-aimé, dans le Seigneur, il n'a jamais connu la mort. Et lui dit, ben moi je n'ai jamais connu la mort. Dans Matthieu 17, je n'ai jamais goûté à la mort. Mais toi tu vas goûter à la mort, et puis bon, c'est quel genre de mort? Et puis Moïse lui dit, ben moi c'est vrai, moi j'ai goûté à la mort, mais bon, moi on ne m'a jamais enterré. Hein. Moi j'ai été enterré par Dieu lui-même. Mais toi c'est la croix, moi je n'ai pas connu la mort que toi tu connaîtras. J'ai connu la mort, mais bon, pas une mort atroce, et puis voilà, la croix, être enterré, mais écoute, courage. Courage. Ouais. Donc, il faut toujours discerner, bien dans la nature. C'est pourquoi on voit, bien aimé, le roi Saül, il est allé, bien dans l'océan, chez une femme qui évoque les esprits des morts, pour qu'on puisse lui prédire l'avenir. Les gens, bien aimé, veulent savoir leur avenir. Nous sommes, bien aimé, dans un monde où les gens sont friands de connaître l'avenir, friands de connaître leur futur. Les présidents, le roi, bien aimé, les gens qui travaillent, bien aimé, dans les services secrets, quand il y a un problème, ils vont bien aimé, chez les spirites. Les gens qui sont dans les CIA et consorts, bien aimé, dans l'océan, ils vont chez les spirites, chez les marabouts et autres, pour qu'on leur dise telle personne que nous cherchons est où? Telle personne se cache, est-ce que vous nous dire que c'est pas dans... Bien aimé, c'est... les gens veulent connaître l'avenir, les gens veulent connaître le futur. C'est là que vous voyez, bien aimé, le roi Saül, il est allé consulter, Dieu n'a pas répondu. Il va dire à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. J'irai la consulter. Il a consulté, Dieu n'a pas répondu. Donc, il y a une alternative, bien aimé, nous pouvons consulter Dieu. Cherchez-moi une femme qui évoque les morts. J'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici à Endor. Une femme qui évoque le mort, j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque le mort. Le verset 8 nous dit, alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. Fais-moi monter celui que je te dirai. Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort.
La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Dans 1 Chronique 10, on dit clairement, Saül mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. C'est pourquoi, mais la Bible nous interdit. Clairement. Dit, ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les morts. Lévitique 19, 31. Ceux qui évoquent les esprits, ni vers les défunts, ne les cherchez. Ceux qui évoquent les esprits, ni vers les défunts, ne les cherchez point de peur de vous suivre avec que je suis l'Éternel, votre Dieu. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je les retrancherai du milieu de son peuple. Et si quelqu'un ou une fois, un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou d'un esprit de divination, ils seront punis des morts, on les lapidera, leur sang tombera sur eux. Vous voyez bien comment Dieu est en train de dire à Israël de faire très attention. Mais nous sommes dans un monde où les gens invoquent les esprits des morts. Mais le problème, c'est que ces esprits viennent nous attaquer parfois à travers les rêves. Les gens les invoquent, les esprits viennent, ils ne diront pas que voilà, toi, d'ailleurs, si tu pries Dieu, les esprits vont vouloir te suyer. Parce que leur but, c'est de combattre Dieu et combattre les enfants de Dieu. C'est ça, la Bible, c'est combattre Dieu. S'élever contre Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Combattre les hommes, s'élever contre les enfants de Dieu. Les souiller. Les salir. Mais parfois, ces combats-là, bien-aimés, ces attaques viennent à travers les rêves. Et il y a des gens, bien-aimés, qui vont tous les jours dans le cimetière. Qui pratiquent, mais qui sont dans les sciences occultes, qui pratiquent la magie, qui pratiquent la divination, qui pratiquent l'occultisme, mais qui pratiquent toute forme d'art magique, qui vont dans le cimetière, mais dans le Seigneur. Il y en a même qui font des voyages astro, qui pratiquent les voyages astral, bien dans le Seigneur, qui vont dans le monde des esprits, qui vont dans le monde des esprits pour communiquer avec les esprits. Et bien aimé dans le Seigneur, il arrive bien aimé que ces esprits nous viennent attaquer les hommes à travers leurs rêves, pour suyer les hommes, pour attaquer les hommes, pour semer la mort, pour semer les maladies, pour détruire la vie des hommes. Bien aimé, nous devons être très prudents. Voilà bien aimé dans le Seigneur pourquoi nous allons prier ce soir. Allez, lève nos voix, bien aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu ne veut pas, que nous puissions entrer en communion avec ces esprits. Hein. Dieu nous défend carrément. Mais les gens, ces esprits profitent avec les rêves, les gens qui sont déjà morts, tu entres en communion avec, tu parles avec. C'est ça, entrer en communion avec ces esprits-là, bien dans le Seigneur. Tu ne te rends pas compte, c'est dans l'autre, c'est dans le Seigneur, dans un rêve. Satan, c'est un rusé. Il profite même dans le monde où tu ne réfléchis pas. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'on n'y prend point garde. Parce que, bien aimé, dans le rêve, bien aimé, dans le Seigneur, tu n'agis pas. On te fait subir. Dieu te parle. On te fait subir. C'est pourquoi, bien aimé, ces esprits aussi profitent bien dans les rêves pour venir souiller les hommes, leur imposer leur volonté, ce qu'ils veulent que ça se fasse. Ça va élever nos voix, bien aimé, dans le Seigneur. Seigneur, nous invoquons ton nom tendre, Père. C'est pourquoi la Bible est même interdite. Hein. Vous allez voir, bien dans le Seigneur, Dieu dit si chez toi il y a quelqu'un, il dit qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce les métiers des devins, d'astrologues, d'augures, des magiciens, d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, qu'on trouve chez toi personne. Oui, bien dans le Seigneur. Mais les gens qui pratiquent même ces sciences, elle dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Donc, il faut neutraliser, bien aimé, spirituellement parlant, les gens qui pratiquent les spiritisme, les gens qui vont dans le cimetière jour et nuit.
Mais il y en a qui vont physiquement pour aller venir c'est pas là venir qu'ils trouvent venir dans le Seigneur ils font les incantations pour trouver venir dans le Seigneur les portes d'entrée afin d'aller dans le monde des esprits. C'est à partir parfois de certaines tombes. Mais ils vont physiquement dans le monde des cimetières. C'est là qu'ils vont faire les incantations afin de pouvoir entrer venir dans le monde des esprits. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes élevés dans le monde où les gens, bien-aimés, sont friands de connaître leur futur, connaître l'avenir. C'est là, bien-aimés dans le Seigneur, certains séducteurs, bien-aimés, sont venus dans l'église maintenant, avec les esprits des cimetières, prophétisant entre guillemets, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ils ouvrent la porte, bien-aimés, à des esprits séducteurs qui sortent de leur bouche. Alléluia. Mais des esprits séducteurs qui sortent de leur bouche. Nous, on a comme l'impression que ce sont des prophéties, bien-aimés. Pourtant, bien-aimés, ce sont des fausses prophéties. Alléluia. La Bible le dit clairement, bien-aimés, dans le Seigneur. Regardez dans Apocalypse 16, bien-aimés, le verset 13. Il dit quoi, bien-aimés, dans le Seigneur? J'ai vu sortir de la bouche du dragon. Nous devons faire très attention. Les gens qui ont avec eux, bien-aimés, en eux, bien-aimés, dans l'océan, les esprits des cimetières, les esprits des morts, bien-aimés, dans le Seigneur, il dit clairement, j'ai vu sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Bien-aimés, dans le Seigneur, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Vous voyez, bien-aimés, trois esprits semblables à des grenouilles. Et c'est quel genre d'esprit? Il dit clairement, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des esprits de démons. Des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi et toute la terre afin de les rassembler pour les combats du grand jour du Dieu puissant. Du Dieu tout puissant plutôt. Ce sont des esprits de démons qui sortent de la bouche, bien-aimé, du dragon, de la bouche de la bête. De la bouche du faux prophète. Là, bien-aimés, nous voyons la trinité satanique. La trinité satanique. Nous avons le dragon, c'est Satan lui-même. La bête, bien-aimés, dans le Seigneur, c'est ça, l'esprit du diable. Et puis nous avons, bien-aimés, dans le Seigneur, les faux prophètes. C'est l'antichrist, bien-aimés. C'est le fils du diable. Le père. Le Fils et le Saint-Esprit. C'est la Trinité diabolique, bien-aimée dans le Seigneur. Donc nous avons, bien-aimée dans le Seigneur, le diable. Et puis nous avons le Fils, la bête. Et puis nous avons les faux prophètes, bien-aimée dans le Seigneur. C'est l'Esprit. L'Esprit du diable. Ça, c'est la Trinité satanique. Ouais, bien-aimés, ces esprits, comment ils viennent suyer les hommes sur la terre des hommes. Nous allons, bien-aimés, prier d'abord, bien-aimés, si nous nous sommes laissés suyer par ces esprits, que ce soit à travers le rêve, que ce soit, bien-aimés, dans le Seigneur, à travers certaines fausses prophéties, ces esprits, dans le Seigneur, nous ont suyés. Bien-aimés, nous allons demander pardon, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous si nous nous sommes mis en contact avec ces esprits. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Bien, nous allons demander pardon, Seigneur. Que Dieu nous pardonne si nous avons été en contact avec ces esprits. Si nous avons été en contact avec les esprits des morts, les esprits des cimetières, qui ne sont que les esprits des démons. Bien, nous allons demander pardon, Seigneur. Ou parfois des esprits errants, comme on dit. Mais nous allons demander pardon, Seigneur. Que Dieu nous pardonne. Et les vouloirs, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander pardon, Seigneur. Pour avoir consulté, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui évoquent les esprits, la divination, les arts magiques et consorts, l'occultisme, la magie, ou peut-être au milieu de nous, dans nos familles, bien-aimés, il y a quelqu'un, bien-aimés, qui pratique ces choses, qui va dans les mondes à cimetière, bien-aimés, nous allons demander pardon, Seigneur. Que Dieu pardonne. Et les vouloirs, bien-aimés, implorons les pardons de Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix vers toi. Demandons pardon, notre Seigneur, notre Dieu, pardonne nos tendres pères.
Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. J'implore ta miséricorde et ton pardon. Pardonne, Seigneur, notre Dieu, mon frère, pardonne, ma sœur, pardonne ton peuple, Dieu Tout-Puissant, pour avoir été en communion avec le monde des esprits, pour avoir été en communion avec, Seigneur notre Dieu, le monde, Seigneur notre Dieu, le monde des morts, Seigneur notre Dieu, alors que ce n'est que le monde des esprits, des démons. Nous venons implorer ta miséricorde pour, Seigneur, avoir consulté ceux qui pratiquent la divination, ceux qui pratiquent l'occultisme, ceux qui pratiquent le maraboutage, ceux qui pratiquent, Seigneur notre Dieu, toute forme d'art magique. Nous venons implorer ta miséricorde et ton pardon au nom puissant de Jésus. Les dieux de pardon, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Souviens-toi, tendre Père, que nous sommes ton peuple, nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Nous implorons ta miséricorde et ton pardon, Maître du ciel et de la terre. Nous sommes ton peuple, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Éternel notre Dieu, pardonne, Seigneur, pour nous être mis en communion avec les esprits. C'est les esprits qui ont été parfois invoqués dans nos familles, par nos pères, par nos ancêtres, au-delà des générations. On a invoqué les esprits familiers, les esprits, c'est notre Dieu, les esprits de l'enfer, les esprits des cimetières. Tendre Père, on a invoqué les esprits des morts. Éternel notre Dieu, nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Seigneur, sanctifie nos vies, sanctifie mon frère, sanctifie ma sœur, sanctifie ton peuple, sanctifie nos éternels Dieu Tout-Puissant. Merci de nous sanctifier au nom puissant de Jésus. Nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom. Nous t'élevons à la plus haute place. Nous te magnifions, Maître du ciel et de la terre. Sanctifie nos vies, Seigneur. Ô tendre Père, nous parfois, à travers des rêves, c'est notre Dieu. Nous sommes en communion avec les morts, Seigneur, à travers les rêves. Nous demandons, Seigneur notre Dieu, purifie nos vies, purifie-nous, Seigneur notre Dieu, sanctifie nos vies, pardonne-nous, Seigneur notre Dieu, alléluia, pour avoir été en communion, alléluia, en contact avec les morts, en contact avec les gens qui sont déjà morts, même à travers les rêves, nous venons te demander pardon, Seigneur. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur, s'il te plaît, tendre Père, nous implorons ton pardon et ta miséricorde pour avoir été en contact avec les morts, pour avoir été, sur notre Dieu, en contact avec la mort, parfois en communion avec les morts, mangeant avec les morts, à travers le rêve, Seigneur, nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Tu es le Dieu de pardon, tu es le Dieu de miséricorde. Souviens-toi, tendre Père, que nous sommes ton peuple, nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Les dieux de pardon, les dieux de miséricorde, Maître du ciel et de la terre, nous sommes ton peuple, nous sommes les troupeaux de ton pâturage. S'il te plaît, éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne, Seigneur, pardonne ton peuple, pardonne tes enfants. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde, Dieu Tout-Puissant, pardonne. C'est notre Dieu pour avoir, parce que nous avons été en communion avec, alléluia, c'est les faux prophètes, alléluia, les esprits séducteurs. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, nous nous sommes mis en contact avec les esprits des démons sans les savoir, les esprits qui sont sortis, alléluia, de la bouche des faux prophètes. Dieu Tout-Puissant, nous venons pour te demander pardon. Nous venons, Seigneur, notre Dieu, pour implorer ta miséricorde, alléluia, à cause de tendre Père, des esprits sortis de la bouche du faux prophète, de la bouche de notre Dieu, alléluia, des séducteurs, de la bouche éternelle, notre Dieu, des véritables séducteurs du temps de la fin, alléluia, les séducteurs du temps de la fin, ceux qui pratiquent là, l'occultisme, la divination ou autre, mais qui se sont fait comme étant, c'est notre Dieu, des faux prophètes, des séducteurs, c'est notre Dieu, nous avons ouvert la porte aux esprits impurs, aux esprits des grenouilles, tendre Père, aux esprits semblables à des grenouilles, nous avons ouvert la porte, qui ne sont que des esprits des démons. Voilà pourquoi, tendre Père, nous venons implorer ta miséricorde. C'est notre Dieu, pardonne mon frère, pardonne ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sanctifie nos vies éternelles, notre Dieu. Sanctifie et purifie nos vies. Sanctifie et purifie la vie de mon frère. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi. Alléluia, bien-aimés, nous allons invoquer la puissance du sang qui a été versé à Golgotha dans nos vies. Alléluia, pour laver, nous purifier, alléluia, nous puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci. Par la foi, nous croyons être sanctifiés, lavés, purifiés par le sang de l'agneau immolé. Donc, lave et sanctifie ma vie. Lave et sanctifie la vie de mon frère, la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Merci de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus, les dieux de gloire, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, les dieux d'amour, les dieux de paix.
Alléluia. Les dieux de gloire, souviens-toi que nous sommes ton peuple. Nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te magnifions, Seigneur. Parce que nous t'appartenons en propre. Nous sommes ton peuple. Nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Ô puissant de Jacob. Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Maître du ciel et de la terre. Puissant de Jacob. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Au nom puissant de Jésus. Les dieux de l'impossible. Les dieux de miséricorde. Les dieux de gloire. Les dieux de paix. Les dieux d'amour. Merci pour la vie de Dieu, Zoé. Merci pour ta grâce, pour ta faveur et pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta bienveillance. Ô grand roi de l'univers, nous te bénissons, maître du ciel et de la terre. Nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Au nom puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté trouvent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons maintenant prier, bienvenue dans le Seigneur, pour dire c'est notre Dieu. Bien-aimé, tu vas révoquer toute alliance avec les esprits des cimetières, avec les esprits des morts. Bien-aimé, tu vas révoquer toute alliance. Bien-aimé, si on a invoqué bien-aimé, ces esprits dans ta famille, tu vas renoncer à toute alliance. Bien-aimé, tu vas révoquer toute alliance avec les esprits des morts. Alléluia. Élevons-nous, bien-aimés. Commence à bien-aimés. Commence à révoquer toute alliance avec les esprits de mort. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Je viens, Seigneur, notre Dieu, par ta parole, par le travers le sang de Jésus. Je viens révoquer toute alliance avec les esprits de mort. Au nom puissant de Jésus. Je viens révoquer, Dieu tout-puissant, toute alliance avec les esprits de mort. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. La victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Dieu tout-puissant, merci. Je viens révoquer toute alliance avec les esprits de mort. Les esprits des cimetières. Je viens révoquer toute alliance avec ces esprits. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, grand roi de l'univers. Que toute alliance, toute communion avec ces esprits tendre Père, je viens révoquer toute alliance, tout contact avec ces esprits des cimetières. Au nom, je viens révoquer cela. Au nom puissant de Jésus, je brise toute alliance et notre Dieu. Toute communion avec les esprits des cimetières soit maintenant annulée, soit maintenant révoquée, soit maintenant détruite. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, les dieux de paix, ô éternel Dieu tout-puissant, je proclame ta victoire, ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta faveur. Seigneur, merci pour ton amour et pour ta fidélité. Les dieux de l'impossible, les dieux de miséricorde, les dieux de gloire, les dieux de paix, éternel notre Dieu, nous nous levons contre les esprits des cimetières, éternel notre Dieu, en même temps nous révoquons toute alliance avec ces esprits au nom puissant. Je brise toute alliance avec les esprits des cimetières, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Je vais révoquer toute alliance avec les esprits des cimetières au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci pour l'œuvre de la croix au nom puissant de Jésus. Bienvenue dans le Seigneur. Dans le bien-aimé, prier, n'est-ce pas? Nous allons briser maintenant. Bien-aimé, tu vas t'élever contre les esprits des morts. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Tu vas t'élever contre les attaques, n'est-ce pas? Bien-aimé, des esprits des morts. Tu vas prier pour l'issue notre Dieu. Je brise. D'abord, tu vas briser toute communion avec les esprits des morts. Alléluia. Mais tu vas briser toute communion avec les esprits des morts. Alléluia. Par le sang de Jésus. Élevons-nous, bien. Commence à briser, n'est-ce pas, toute communion avec les esprits des morts par le sang de tendre Père. Nous élevons nos voix vers toi, éternel, notre Dieu. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je me dresse contre toute communion avec les esprits des morts. Au nom puissant de Jésus, je viens briser toute communion avec les esprits des morts. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Que toute communion avec les esprits des morts soit brisée, soit neutralisée. Au nom puissant de Jésus, je brise toute communion avec les esprits des morts. Je proclame ta victoire. Je proclame ton règne et ton autorité. Que toute communion avec les esprits des morts soit brisée, soit neutralisée. Au nom puissant de Jésus,
Je confesse que Jésus-Christ, roi, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de nos pères. Dieu tout-puissant, merci. Que toute communion avec les esprits des morts soit brisée, soit neutralisée. Toute communion avec le monde des cimetières soit brisée, soit neutralisée. Toute communion avec les esprits des démons soit brisée, soit neutralisée. Au nom puissant de Jésus. Éternel, notre Dieu, je brise toute communion avec les esprits errants. C'est notre Dieu, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je me dresse, c'est notre Dieu, contre toute communion avec les esprits des morts. Je renonce à toute communion avec les esprits des morts. Alléluia. Je révoque toute communion avec les esprits des morts. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Alléluia. Tendre Père, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons proclamer maintenant, invoquer le feu du Saint-Esprit. Nous allons nous lever contre. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Les attaques, bien dans le Seigneur, alléluia. Alors, les attaques à travers les rêves. Bien, mais les attaques des esprits des morts à travers les rêves. Bien, tu vas briser les attaques, bien, des esprits des morts à travers les rêves. Alléluia. Bien, mais tu vas, bien, mais la Bible dit, n'est-ce pas, bien, de toute arme forgée contre toi sera sans effet. Bien aimé, le monde occulte, bien aimé, les gens utilisent les esprits des cimetières pour nous attaquer. Bien aimé, tu vas briser toutes les attaques à travers les esprits des morts. Quelles qu'elles soient, bien aimé. Tu as dit, Seigneur, j'ai détruit toutes les attaques à travers les esprits des morts au nom puissant de Jésus. J'ai brisé les attaques des esprits des morts. Toutes leurs attaques, les esprits des cimetières, les esprits de l'enfer. Tu vas briser leurs attaques au nom puissant de Jésus. Alléluia. Même à travers les rêves, au nom puissant de Jésus, béni dans le Seigneur. Que ce soit à travers les hommes qui viennent comme ça, béni dans le Seigneur. Tu vas briser toutes les attaques à travers les esprits des cimetières, à travers les esprits de l'enfer. Alléluia. Proclamons trois fois, Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur, le vainqueur de Golgotha. Nous proclamons ta victoire éternelle, Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire. Nous nous lèvons, c'est notre Dieu. Alléluia, contre les attaques à travers les rêves, les attaques des esprits des cimetières, les attaques des esprits des démons, les esprits de l'enfer. Nous nous lèvons contre leurs attaques à travers les rêves, au nom puissant de Jésus. Je brise, tendre Père, les attaques des esprits des cimetières, les attaques des esprits de l'enfer à travers les rêves. Que leurs attaques soient brisées, les attaques dans le rêve. Je brise les attaques des esprits des morts dans le rêve, les attaques des esprits des cimetières dans le rêve. Je brise leurs attaques, tendre Père, dans mes rêves, dans les rêves de mon épouse, dans le rêve de mon frère, dans le rêve de ma soeur, je brise les attaques des esprits des cimetières. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Que les attaques soient neutralisées, que les attaques soient brisées à travers les rêves. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Que les attaques à travers les rêves soient brisées, soient neutralisées. Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix vers toi. Nous nous lèvons contre les attaques des esprits des cimetières. Je brise les attaques des esprits des cimetières à travers les rêves. Au nom puissant de Jésus, je brise les attaques des esprits des cimetières. Tendre Père, à travers les rêves, les attaques nocturnes, je brise leurs attaques à travers les rêves. Au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire. Leurs attaques, tendre Père, dans ma maison, je brise les attaques des esprits des cimetières à travers les rêves. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'ordre. J'en ai hanté leurs attaques, quelle que soit la forme d'attaque, je brise leurs attaques, je brise les armes à travers les esprits cimetières, que leurs armes ne soient neutralisées, que leurs armes ne soient brisées, au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, j'invoque la puissance du sang de l'agneau immolé. Seigneur, merci pour ta victoire, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas lever la voix, nous allons bien-aimé prier, nous allons neutraliser, n'est-ce pas, les esprits. Mais nous allons neutraliser les esprits des morts. Nous allons lever contre les esprits des morts, les esprits des cimetières, les esprits de l'enfer. Mais tu vas t'élever, tu vas prier, bien dans l'océan. Que le feu du Saint-Esprit, bien, tu vas lier ces esprits. Alors, qu'ils retournent dans leur milieu d'origine, qu'ils aillent dans le lieu aride, qu'ils ne reviennent plus jamais dans ta vie, dans ta famille, au puissant de Jésus. Bien, nous allons nous lever contre les esprits des morts, les esprits des cimetières. Alléluia, au puissant de Jésus. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. 1, 2, 3. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, nous invoquons ton feu. Éternel Dieu grand et redoutable, merci pour ta victoire. Nous invoquons le feu de volant. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit. Nous nous lèvons, tendre Père, contre les attaques à travers les rêves. Au nom puissant de Jésus, Maître du ciel et de la terre, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité. Dieu grand et redoutable, éternel Dieu tout-puissant, lève-toi, tendre Père.
dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je me dresse contre les attaques à travers les rêves au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Que les attaques à travers les rêves, c'est notre truc. Je brise les esprits des cimetières. Je lis ces esprits. Tendropée, je lis ses esprits, qu'ils retournent dans leur milieu d'origine. Oh, je le commande au nom puissant de Jésus de retourner dans leur milieu d'origine. Au nom puissant de Jésus, je le commande aux esprits de l'enfer, aux esprits des morts, aux esprits des cimetières. Alléluia, d'aller dans le lieu aride, de ne plus jamais revenir au nom puissant de Jésus, de ne plus jamais m'attaquer, de ne plus jamais attaquer ma vie et ma famille, qu'ils retournent dans leur milieu d'origine. Au nom puissant de Jésus, Dieu tout-puissant, merci. Alléluia, que les esprits des cimetières, les esprits des morts qui m'attaquent, que les esprits de l'enfer soient neutralisés, soient brisés, soient paralysés au nom puissant de Jésus. Dieu tout-puissant, merci. Que ces esprits retournent dans leur mythologie, qu'ils retournent d'où on les a envoyés au nom puissant de Jésus. Que ceux qui invoquent les esprits sur notre vie, que ces esprits se retournent vers eux au nom puissant de Jésus. Dieu tout-puissant, merci. Nous nous lèvons contre les esprits cimetières. Nous nous lèvons contre les esprits de mort. Seigneur, que ces esprits soient neutralisés au nom puissant de Jésus. Nous nous lèvons contre les esprits de mort. Dieu tout-puissant, les esprits errants, ce que ces esprits retournent, alléluia, dans leur milieu d'origine, ces esprits retournent là, on les a invoqués au nom puissant de Jésus. Les esprits des démons, nous nous levons, je lis les esprits des démons, les esprits des démons, que ces esprits retournent dans leur milieu d'origine, ces esprits retournent sur notre Dieu, alléluia. Tant de Père, que ces esprits retournent dans le lieu aride. Je les envoie dans le lieu aride, qu'ils ne reviennent plus jamais. Les esprits des démons, les esprits des morts, les esprits des cimetières, les esprits de l'enfer, nous nous levons contre ces esprits par la puissance du nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit neutralise, paralyse ces esprits dans leurs œuvres. Tendre Père, dans ma famille, dans ma vie, dans la vie de mon épouse, tendre Père, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur, dans l'église, je me dresse contre ces esprits cimetières, dans mon ministère, je brise ces esprits cimetières dans mon ministère, je lis ces esprits impurs, au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Dieu tout-puissant, merci, éternel notre Dieu, je détruis ces esprits, au nom puissant Jésus, les esprits de l'enfer, les esprits des cimetières, que ces esprits retournent dans leur milieu d'origine, qu'ils ne reviennent plus jamais au nom puissant, les esprits d'outre-tombe, tant de Père, que ces esprits retournent dans leur milieu d'origine, qu'ils ne reviennent plus jamais, que ceux qui les ont invoqués, que ces esprits se retournent vers eux au nom puissant de Jésus. Dieu tout-puissant, lève-toi dans nos vies, lève-toi, tant de Père, même à travers les rêves, c'est notre vie, que ces esprits retournent là où on les a envoyés, tant de Père, nous nous lèvons contre leurs attaques à travers les rêves au nom puissant de Jésus. Dieu tout-puissant, merci. Nous lions les esprits des démons, les esprits des démons, que ces esprits soient neutralisés au nom puissant de Jésus. Les esprits impurs, que ces esprits soient neutralisés, qu'ils retournent dans leur milieu d'origine, qu'ils retournent en Père, alléluia, dans le lieu aride. Nous les envoyons dans le lieu aride au nom puissant de Jésus, qu'ils ne reviennent plus jamais au nom de Jésus. Dieu tout-puissant, merci pour ta victoire. Que ces esprits qui viennent nous suer soient neutralisés, soient brisés, soient paralysés au nom puissant de Jésus. Proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour ta victoire. Bien-aimés, nous allons nous lever contre, bien-aimés, la mort. Bien-aimés, ces esprits amènent la mort. Nous allons nous lever contre la mort prématurée. Et tu vas briser la puissance de l'esprit des morts. Et tu vas briser la mort prématurée. Alléluia. La mort brutale. La mort téléguidée, bien-aimés, dans le monde occulte. Tu vas briser la puissance de la mort. Alléluia, nous allons lever, bien-aimés, contre la mort. Proclamons trois fois, Jésus est vivant, 1, 2, 3. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Dieu tout-puissant, nous élevons nos voix vers toi. Nous nous lèvons contre la puissance de la mort. Je me dresse contre ce notre de la mort. Je brise la mort prématurée autour de moi, la mort prématurée dans ma vie, la mort prématurée dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon épouse. Je viens briser la mort prématurée dans mon ministère. Je brise la mort. Je brise la mort dans la vie de ma mère. Je brise la puissance de la mort. Je brise la mort prématurée. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé en Golgotha. Je viens briser la mort. Dieu tout-puissant, merci pour ta victoire. Je brise la mort. Je brise la mort. Je détruis l'esprit des morts au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Que la mort soit brisée. Que la mort soit neutralisée. Que la mort soit paralysée au nom puissant de Jésus. Je proclame que Jésus-Christ est roi.
Jésus-Christ, c'est le Seigneur à la gloire du Dieu le Père, les dieux tout-puissants, maître du ciel et de la terre, que la mort soit neutralisée, que la mort soit brisée, que la mort soit paralysée, au nom puissant de Jésus, Dieu tout-puissant, merci, je viens briser la puissance de la mort, je viens briser la puissance de la mort, les dieux tout-puissants, merci, que la mort soit neutralisée, que la mort soit brisée, au nom puissant de Jésus, nous nous lèvons contre tout esprit de mort, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, puissant, merci, que l'esprit de mort soit neutralisé, que l'esprit de mort soit brisé, au nom puissant de Jésus, maître du ciel et de la terre. Seigneur, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous proclamons la victoire du sang de la nouvelle alliance. Que la mort soit neutralisée, que la mort soit brisée, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu tout-puissant, merci. Merci pour la vie. Merci, c'est notre Dieu, pour ta grâce et pour ta faveur, pour ton amour et pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi, les grands rois. Seigneur, nous brisons la puissance de la mort. Nous en appelons à la vie, au nom puissant de Jésus. Alléluia, bien-aimés, prions, n'est-ce pas? Seigneur, délivre-nous de tout. Seigneur, délivre-nous des esprits de mort. Délivre-nous des attaques des esprits de mort. Délivre-nous de la mort. Élevons-nous, ma bénédiction. Commence à réclamer. Tendre, mais Seigneur, merci pour ta délivrance. Tendre, peu, nous réclamons la délivrance au nom puissant de Jésus. Délivre-nous, Seigneur, notre Dieu. Délivre-nous des esprits des morts. Délivre-nous des attaques des esprits des morts. Des attaques des esprits des cimetières. Délivre-nous, Seigneur, des attaques des esprits de l'enfer. Délivre-nous, tendre, peu. Délivre-nous des attaques des esprits. Alléluia. Des esprits méchants. Délivre-nous, Seigneur, notre Dieu. Des attaques, même à travers le rêve. Viens nous délivrer, tendre, peu. Délivre-nous, Seigneur, notre Dieu. Des esprits des morts. Délivre-nous, éternel, notre Dieu. Délivre-nous, Seigneur, notre Dieu. Des attaques à travers les esprits des morts. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire. Les dieux de la délivrance, mais de nous arracher de la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Éternel, notre Dieu, merci. Alléluia, bénis, nous allons élever nos voix. Tu vas rendre grâce au Seigneur pour la vie. Rendons grâce au Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons grâce, éternel, notre Dieu, pour la vie, au nom puissant de Jésus. Merci pour la vie, merci pour ta victoire. Bien-aimés, détruisons toute contre-attaque après ces temps de prière, contre-attaque des esprits des cimetières, des esprits des morts. Dieu Tout-Puissant, merci pour la vie. Merci, tendre Père. Nous brisons toute contre-attaque des esprits des morts, toute contre-attaque des esprits des cimetières. Nous proclamons la vie au nom puissant de Jésus. Les dieux de la vie, les dieux de la grâce, les dieux de miséricorde, les dieux de paix, les dieux d'amour. Tendre Père, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha au nom puissant de Jésus. Merci éternel, notre Dieu, pour ta grâce et pour ta faveur, pour ton amour et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons éternel, notre Dieu, et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci pour la vie de Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Que toute contre-attaque soit brisée, soit neutralisée au nom puissant de Jésus. Que le sang qui a été versé à Golgotha recouvre nos vies, recouvre nos familles, nos maisons respectives au nom puissant de Jésus. Merci pour la couverture du sang de Jésus. Tendre Père, que les malédictions venant des esprits des morts soient brisées, soient neutralisées au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia, merci Seigneur, merci Saint-Esprit, remercie le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci, merci pour la victoire. Merci Saint-Esprit pour la vie au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Merci cher Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'Éternel, notre Dieu, fasse l'œuvre sur vous, sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien dans le Seigneur. À très bientôt. Que Dieu bénisse. Un sommet réparateur de la part de notre Seigneur et notre Dieu. À très bientôt. Merci.